de Hassan Kassimi. Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour Pouvez-vous nous donner notre, votre point de vue sur les dernières évolutions enregistrées au Maroc Nous devons absolument suivre de très près ce qui se déroule au Maroc, où des manœuvres subversives très dangereuses se développent dans ce pays. L'alliance du Marzen avec l'antitessioniste vient d'être suivie par une deuxième alliance avec la France complétant le dernier maillon d'une architecture de type colonial. Ceci est annonciateur de violentes confrontations hybrides sur le continent africain, dont la logique serait d'installer le désordre colonial pour la conquête de nouveaux territoires. Que pensez-vous des dernières déclarations de Nasser Borita qui a dit avoir décelé des indices d'une évolution de l'escalade vers une confrontation avec l'Algérie Le Marzen doit absolument tenir un discours d'une menace imminente sur la nation devront faire peur au peuple marocain et cela pour éviter un scénario de l'effondrement de la monarchie dans une conjoncture de vacances du monarque marquée par l'évacuation en urgence du roi Mohamed VI vers la France. Le Marzen a certainement été pris de panique après l'impressionnante parade militaire de notre armée nationale populaire, et cela pourrait expliquer les déclarations alarmistes et non fondées de Nassar Boretta. Peut-on considérer que le Marzen s'inscrit dans une tendance lourde d'une doctrine politique coloniale déclarée et assumée ce qui se passe au Maroc ressemble au scénario subversif qui manœuvre pour rendre acceptable la colonisation de la jeune République du Sahara occidental. Le statut d'autonomie proposé par le Maroc et soutenu par la France constitue la preuve que ce territoire n'est pas marocain. Le débat sur la nature juridique du Sahara occidental est clos et la seule alternative qui reste au Maroc, et de décoloniser ce territoire. À Rabat, le président Macron a fait l'apologie du colonialisme en soutenant le plan marocain de colonisation du Sahara occidental. En, sou en soutenant la colonisation du Sahara occidental par le Maroc, le président Macron fait l'apologie du colonialisme qu'il a lui-même considéré comme un crime contre l'humanité. Macron se met ainsi en porte-à-faux avec la légalité internationale. Il faut d'abord rappeler la quatrième commission de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est réunie dernièrement lors de la 79e session. Et considère le Sahara occidental comme une question de décolonisation. La 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui se tiendra prochainement, doit mettre un terme définitif aux manœuvres coloniales de la France et du Maroc sur le dossier du Sahara occidental. La composition de la délégation française qui s'est rendue à Rabat a soulevé de très fortes polémiques en France, Hassan Khassimi. L'intégration dans la délégation française de trois reprises de justice qui ont voyagé avec le ministre de la Justice française. Est encore un impair qui met à dure épreuve l'état de droit français. Une énorme délégation française de 120 personnes, transportée par deux Airbus et un Falcon, sur les deniers du contribuable français, est un autre impair qui a défrayé la chronique française. Si la presse et l'audiovisuel français ont été choqués de voir des repris de justice dans la délégation du président Macron, par contre, ces derniers n'ont pas trouvé choquant que la France et le Maroc organisent. Un hold up sur le Sahara occidental.